règlement intérieur de l'Assemblée nationale est supérieur aux autres lois parce que c'est une loi organique. Au-delà de cette loi, il y a la Constitution. Même la Constitution va dans le même sens. Vous ne pouvez pas empêcher la tenue des travaux parlementaires. C'est vraiment impossible. Vous êtes expérimenté. C'est la première fois, peut-être que vous apprenez qu'une police au monde est venue interdire les travaux du Parlement. Si ici, au temple de la démocratie, on ne peut plus se réunir, donc c'est fini. Nous sommes la représentation du peuple, tous les cinq. Nous sommes la représentation du peuple, c'est quand même pas possible. Je suis en train de faire le tour pour voir les collègues que vous avez interdit d'accéder, mais sachez que dans les travaux de l'Assemblée nationale, il y a les commissions qui se tiennent. Vous avez été requis pour empêcher la tenue de l'élection, mais vous n'avez pas été requis pour empêcher la tenue des autres, encore que c'est illégal, des autres travaux. Que les membres du bureau soient empêchés d'entrer à l'Assemblée nationale, vous mettez un coup à la démocratie, c'est un coup d'État. Que vous empêchez les commissions de se réunir, c'est un coup. Que vous empêchez l'administration d'entrer, c'est un coup. Bon, donc voilà. Bon, je pense qu'à mon niveau, il sera vraiment difficile parce que vous m'avez vu le matin ici. Oui. Souvent, quand il y a appelé, c'est moi le commandant IPI. Oui. J'étais ici trop tôt le matin pour faire mon travail. Oui. Il y a 1h30 que les ordres ont changé. D'ailleurs, je me limite là. Vous avez dit. Donc quand il m'a déposé des copies de recevoir, je me suis incliné, je suis en train de prendre mon air et je suis en train de faire le travail. D'accord. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est un ordre manifestement. Non, manifestement même. C'est un ordre illégal. Et personne n'est tenu d'exécuter un ordre illégal. C'est de la Constitution. Vous la connaissez mieux. Je les ai appelés. Je les ai appelés. Mais. Là, c'est le bureau de l'Assemblée nationale.